Bonjour, aujourd'hui je vais parler du street workout au tout début, à l'origine. Alors tout a démarré par des lectures de Strange, Marvel, fin 70. Nous lisions beaucoup de Marvel, notamment avec des super-héros comme Spider-Man, Iron Man, et le plus emblématique, c'était lui, Spider-Man. Équilibre, agilité, acrobatie. C'était notre super-héros préféré. La bande dessinée, ouais. Marvel. On avait des hommes forts, costauds. On voulait ressembler au super-héros Marvel. Puis après, émergea Spécial Strange. Bon, il émergea avant, hein. Mais pourquoi je dis émergea? Parce que il y avait un dessinateur, John Byrne, avec un duo merveilleux, Chris Claremont et John Byrne. Pourquoi John Byrne? Parce qu'il avait un coup de crayon très réaliste. Il était très doué par rapport à nos yeux, par rapport aux autres dessinateurs. Dans les détails. Les détails, les muscles saillants, comme vous voyez là. Vous voyez Serval, Wolverine à son apogée. Muscles saillants, la puissance du geste, de la gestuelle. C'est John Byrne qui nous a ancrés dans la lecture. La lecture vraiment qui nous a mis le pied à l'étrier. J'avais 8 ans. À l'époque, c'était à cette époque-là, 8 ans. J'avais fait 8 ans le mois de juillet. Juillet 79. Spécial Strange. En parallèle, il y avait ce jeu urbain. Donc, de ces livres, nous sommes passés. Sur ce jeu urbain, on voulait faire comme nos super-héros préférés. Spider-Man. On fait des petites figures acrobatiques ici. On fait de le parcours. Debout, en équilibre, ici. Avec la famille Fina, la famille Karoum, l'arrache, mes frères. On était fascinés par ce jeu. On pensait peut-être qu'on était à Manhattan, comme Spider-Man. On rêvait beaucoup. Nous étions heureux sur ce jeu. Alors par contre, entre parenthèses, je vais dire un remerciement à Fabien Outman qui nous a aidé à trouver la photo. On lui dit merci. Et à Monsieur Ligori, Gérald Ligori, qui nous a fourni la photo. Sans qui et sans quoi? On n'aurait pas pu faire cette vidéo. Il aurait manqué une étape. Je le remercie. Et après, quand ce jeu urbain a disparu en 88, nous sommes passés à ça. Là, nous étions adultes. On faisait le streetball club sur le mobilier urbain. C'est-à-dire les bancs, on fait des dips sur les bancs. Là, on faisait le back level, le front level et le muscle up. C'était un peu la troisième étape, le culte du corps. Les livres Marvel, ce sont ces livres qui nous ont mis le pied à l'étrier. Regardez. Ces dessins. Toujours John Byrne, vous voyez là. On suivait John Byrne. On lisait John Byrne. Pardon, John Byrne. C'est comique. On est passé à ça. Et après, nous sommes passés à ça. Street workout pur. Vous savez, le street workout, c'est un peu la culture de la danse, parce que autour du street workout,
On chantait des chansons de rap. On dansait aussi. On avait un groupe de. À l'époque, on avait aussi en parallèle un groupe de breakdance. On avait fait une démonstration au Théâtre de la Mer avec nos amis du bâtiment 18. On s'entraînait à l'école à l'époque à l'école Anatole France. Oui, le street workout aussi, c'est une discipline de la fête, hein, faut pas l'oublier. Voilà les amis, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous ne sortirez pas bredouille de l'histoire de Street Workout. Voilà. Et je vous dis au revoir. Au revoir.